Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour notre 37e épisode de la carrière 0 à héros. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier avec cette qualification incroyable pour la finale de la coupe. Voilà, on s'est au moins donné l'occasion dans cette saison difficile de jouer un match très 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 beau avec un enjeu incroyable. Pourquoi pas gagner le premier titre majeur dans notre club puisqu'on a remporté la deuxième division, mais pour moi c'est pas vraiment un titre. Là, en tout cas, on irait faire quelque chose que personne n'attendait de nous. Et on a une finale qui peut sembler à notre portée, puisqu'on jouera Trencin, hein, qui est avant-dernier du championnat, en galère, tout comme nous. Aujourd'hui, on a trois matchs au programme, du coup. Le calendrier s'est un petit peu bousculé. Donc, je vous invite à regarder ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce sera trois matchs. Podbrezovar, Rosenberg, Trencin. Donc, bah, là, c'est trois matchs, c'est trois finales, hein, on le sait. Groupe de relégation, il faut absolument qu'on... Bah qu'on arrive à s'extraire, hein, de cette place de relégable. On va jouer Podbrezova 10e et Trencin 11e, les deux équipes qui nous devancent. Alors si on arrivait à prendre les 3 points face à ces deux équipes, ce serait vraiment parfait. 3 matchs aujourd'hui, ensuite on jouera du coup demain, lundi, on jouera Mikulaj pareil en championnat, puis Trencin, la finale de la coupe où on se mettra en mini résumé pour avoir un match un peu plus... sympa, un peu plus étoffé, on va dire. Et enfin, on finira le groupe de relégation avec deux vidéos de deux matchs, je pense, pour vraiment vivre à fond ces derniers matchs qui, j'espère, auront un enjeu important puisque bah, j'espère qu'on sera encore en course pour pouvoir se sauver. Allez, sans plus attendre, on a trois matchs à jouer, donc on va y aller. Podbrezova à l'extérieur. J'espère que votre week-end se passe bien de votre côté. Enfin, c'est bien passé, en tout cas, de votre côté en ce dimanche, et que bah voilà, les matchs de Coupe du Monde vous ont satisfait. Peut-être que quand tu regardes la vidéo, on est déjà au match de la France, peut-être que le match de la France est passé, moi ce n'est pas encore le cas. J'espère de tout cœur qu'on battra la Pologne. En tout cas, hop, nous on va se concentrer sur Podbrezova, parce que la Coupe du Monde, on en est loin dans notre carrière. On a des joueurs qui sont assez fatigués. On a pas mal de changements à faire. Ça va être un match difficile encore. Hein. On a Vrabel qui est blessé. Alors attendez, je vais pas faire ça. Alors je vais remettre. Hop là, je vais remettre Odenaert. Pardon. Voilà. Là je vais mettre dans tous les matchs parce que Vrabel, de toute façon, c'est mort pour la fin du championnat. Donc on va le sortir complètement. On va mettre Fer. Hop. Voilà, je pense qu'on va partir avec Barnabas Fer. Il nous a montré des choses là dernièrement, donc on va lui faire confiance. Tamash Ilyes, lui, il est blessé 5 à 8 jours. Donc lui, on va peut-être pouvoir le sortir temporairement. Yanko, c'est pareil, il sera peut-être dispo pour le prochain match. Odenaert, lui, on va mettre Myling. La défense, elle s'entend vraiment pas bien et ça c'est embêtant par contre. Ça, c'est embêtant. On va sortir Oloub, on va mettre Rezetka. Voilà, on aura au moins un bon lien entre ces deux joueurs-là. Tac, tac, tac. Kerestes, pour l'instant, en l'absence de Yanko. Ça n'a pas fait des très bons matchs, Kerestes. Rhodes. Allez, Rhodes. Allez, c'est parti Rhodes, même si ça tend pas très bien avec Benovic, on va tenter ça. C'est parti. J'ai fait au feeling, on va voir. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est le moment de soutenir l'équipe. Là, on rentre dans les matchs importants. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous regardez sans être abonné, mais que faites-vous? C'est totalement gratuit, ça soutient la chaîne. Et en plus, vous serez au courant des sorties des vidéos. Alors n'hésitez pas, ça fait extrêmement plaisir et ça donne beaucoup de force. Si vous êtes déjà abonné, bah le petit pouce bleu, ça coûte rien. Et pareil, hein, ça apporte beaucoup pour la chaîne. Et le petit commentaire, si tu as des choses à dire, n'hésite pas. Je réponds avec grand plaisir. Allez, on se concentre sur notre match. Attention, ce long ballon. Oh là 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 là. Oh, la sortie aventureuse de Riska qui se fait prendre au dépourvu dès la 30e seconde. C'est la catastrophe. Oh oui, c'est la catastrophe. Alors, on va repasser avec... un milieu axial d'attaque. Aïe, aïe, aïe. Et un milieu offensif d'attaque. Ah ouais, là c'est dur. Là c'est dur. Ah
Ok, 2-0. Podbrezovac a décidé de nous détruire aujourd'hui. Cinquième minute. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors ouais, notre équipe est un petit peu remaniée, mais là, faut pas exagérer, les gars. Oh! Allez, faut se rebeller, là, Rhodes! Oh, le long ballon qui sera complètement perdu. Bailly. Allez, le pressing est pas bon. Oh là là, on est en train de se faire rouler dessus. Oh, il y a des jours comme ça où tu te dis que t'aurais mieux fait de pas allumer l'ordi. Oh là là, on allume l'ordi, on prend un 3-0 en 9 minutes de jeu. Eh ben écoutez, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est superbe. On va passer en offensive et puis on va se dire que notre vie est dure et qu'on a envie de crever. Envie de crever, hein. Allez, les olés qui sortent des tribunes à chaque passe complétée, là. Ah, j'ai envie de mettre en commentaire seul, les gars. J'ai envie de mettre en commentaire seul la fin du match, parce que là, c'est un supplice. On n'arrive même pas à ressortir le ballon, on se fait complètement éclater la gueule. Hop, 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 hop. Bon. Ouais, ils ont démarré le match tambour battant et nous on s'est fait, mais littéralement. Je sais même pas comment dire. Franchement, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots, on s'est fait pulvériser. Je sais pas, c'est. Ouais, et puis on envoie des longs ballons. Faut arrêter avec ça aussi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la mise à jour, le patch, les adversaires sont plus forts, c'est ça? Ma tactique ne fonctionne plus. Autant, j'ai pas fait une tactique FM. Hein. Pour moi, j'ai essayé de faire une tactique qui est ce que j'aurais fait dans la vraie vie avec cet effectif et dans cette situation. Hein. Une défense à 5 assez solide, avec des latéraux quand même qui viennent participer au jeu. Et puis un milieu de terrain bien construit, assez complet. Deux attaquants. Enfin, je sais pas, moi, ma compo, elle me paraît quand même ok. Et j'ai l'impression que c'est complètement pourri. Peut-être aussi que si on jouait plus court et qu'il respectait vraiment les consignes, ce serait mieux. Parce que là, avec le ballon, moi, je demande des... Ah ouais, ben ouais, mais moi, je vais demander beaucoup plus courte aussi. Ah, c'est ma faute. Oh, la barre de Mizovic! Oh, il a fracassé la barre transversale. Allez, c'est peut-être le signe de la rébellion pour la seconde période. En tout cas, on va essayer. La bouteille d'eau. Allez, hop. Ils sont en colère. Mais je vais quand même les encourager, c'était juste pour les faire réagir. On joue pas le mauvais dégagement, mais c'est bien récupéré par Kerestes. Benovic qui va lancer Mizovic. Oh, il est tout seul dans l'axe. Bardabashvir. Allez, la réduction du score dès la 53e, c'est pas terminé. Allez, petit chien, porte-nous chance. Le chien est là avec nous pour nous porter chance. Alors, on a Shribik qui est cuit. On les encourage de nouveau. C'est mieux, en tout cas, dans cette seconde période. Zupa qui est cuit. Berekali. Martin Luda. Et Adam Mihailik. Les 5 changements sont faits. Maintenant, il n'y a plus qu'à prier, les gars. Essayez d'arracher quelque chose. Allez, Podbrezova qui tient. Berekali. Prekop. Rezetka. Rezetka en l'air pour Mizovic. La déviation vers Bardabashvir. Oh, la barre qui vient repousser son tir, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Et Pedro. L'action terminée. Ah, c'est dur. Ok, bah c'est un match sans. On commence très 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 mal. On va regarder ce qu'ont fait nos adversaires directs. Mais là. Critique la tactique. Alors. Effectivement, bah on vient d'en parler, là, les supporters critiquent notre tactique. Je pense pas qu'on va changer de disposition, par contre on va peut-être changer de consigne un petit peu.
Ça correspond vraiment à tous les profils de joueurs qu'on a. On a fait le recrutement en fonction de cette disposition tactique, donc j'ai pas trop envie d'en changer. Ouais, même si. Allez, on va tenter quelque chose. On va tenter quelque chose. On va repasser à 4 arrière. On va essayer de jouer comme ça. On va mettre un meneur de jeu avancé d'attaque. Et un milieu offensif de soutien. Ici, on va mettre. Un milieu récupérateur de soutien. Et. Non, un milieu récupérateur de défense plutôt. Et. Un milieu axial de soutien. Ou un milieu axial automatique. Tiens, ça peut être pas mal. Comme ça, on va passer Benovic ici. Benovic, il peut jouer milieu axial, je crois. Ouais, il est très bon en milieu axial même. Tac, 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 tac. Voilà. Et on va demander, tiens. On va demander au. Hop. On va lui demander de choisir le meilleur 11. On va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Ok, Janko Benovic, Ribic Magda, ça s'entend pas. Donc pour moi, ce sera plutôt un Shribik Holub, ça s'entend pas non plus. Non, mais un Shribik Rezetka ou un Shribik Prekop. Ah, ça s'entend bien avec Prekop. Prekop, c'est un bon joueur. Pas de pied gauche par contre, mais Shribik. Pied gauche acceptable. On va mettre Shribik plutôt à gauche, comme ça. Odener, Zupa. Alors on va pas les mettre stopper, on va les mettre défenseur central de défense. Voilà. Voilà, Janko Benovic, Mihajlić, Luda, Vrabel, Mizovic, c'est pas mal. On va tester ça, hein, de toute façon. On va tester ça. Avec le ballon, on va se demander des passes beaucoup plus courtes, un rythme un peu plus élevé. On ne va pas gagner de temps, on va jouer le ballon dans la surface. En transition, on est bon. On va essayer de. On va pas leur demander de contrer trop vite. Et sans le ballon. On va essayer d'être comme ça. Normal. Bloc intermédiaire. On va presser vers l'axe. On va aller presser vers l'axe. On va essayer ça. On va essayer ça. Je promets rien. Je promets rien, mais on va tenter ça. Hop, alors, au niveau des remplaçants, je vais mettre du Rezetka à la place de Magda. Vais mettre du Berrikhali à la place du Tamashilié, du Vrabel. Là, on va mettre Fer. On va partir comme ça. On va partir comme ça. Après, je me tâte aussi avec Yurcizine. Est-ce que Yurcizine n'est pas meilleur que Mihajlić? Il a plus de. On verra bien, de toute façon, on va aller jouer Rouzom Berok. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vous retrouve pour la compo d'équipe. A tout de suite. Et c'est parti! C'est parti! Réception de Rouzom Berok. Toujours 2 points de retard sur Trencin. Malheureusement, du coup, la défaite face à Podbrezova fait très très mal et il s'éloigne. Hein. 10 points d'avance maintenant. J'ai peur qu'on ne puisse espérer que la place de barragiste. Alors, ouais, tout le monde s'attend à une défaite. J'espère qu'on peut faire mieux que cette place de barrage, mais ça va être très dur à faire se réveiller. Est-ce que le changement tactique sera suffisant? C'est ce qu'on va voir. Shribik est suspendu, donc on va faire jouer Alex Holub. Tac, on va remettre Kouaïdic sur le banc. Yurcizine est blessé, ouais. On va le laisser sur le banc quand même. Et on va mettre tout ça. On va mettre ça. Yanko est revenu de blessure, donc on va sûrement le faire jouer. Alors, est-ce qu'il est bon au milieu récupérateur? Pas forcément. Pas forcément. Alors que Benovic, lui, en milieu récupérateur, lui, il fait le taf. Hein. Milieu récupérateur de défense, c'est pas mal. Pas mal du tout. On va voir ça.
Ou alors on le met meneur de jeu en retrait de défense, plutôt avec une qualité technique. Ouais. Allez, on va arrêter de tergiverser, de toute façon, faut y aller. C'est parti. On y est, les gars. Match face à Rouzan Berok, il faut y aller, faut inverser la tendance. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de tout le monde, j'ai besoin de mes joueurs, je compte sur eux. Allez, les gars. Allez, le 4-2-2-2, tactique FIFA Ultimate Team, on y va. Ah, c'est pareil, hein, j'essaie de trouver quelque chose qui colle un peu au profil de mes joueurs. J'espère que ces deux joueurs-là vont exploiter un petit peu les demi-espaces sur les côtés, on verra bien. En tout cas, ça commence avec une action pour Rouzan Berok en orange. Et Risca qui en ce moment est dans le dur. Hein. On le voit, il fait des conneries. Il n'est pas très bon. Faut se réveiller, mon ami. Voilà, c'est dégagé des points, mais ça va revenir encore. Lucas, ça va, on a une bonne densité. Attention, il y avait hors-jeu. Heureusement, allez, il faut se réveiller. On a demandé des passes plus courtes, faut la possession de balle. Il faut du football, il faut du jeu. Allez. Normalement, là, on a des circuits de passe. Bon, après, il va falloir que la tactique soit travaillée. Bon. On espère au moins l'électrochoc, mais en tout cas, voilà, travailler les circuits de passe comme ça c'est beau. Ouais, c'est bien joué. La proximité des joueurs, c'est beau, FR. Là, l'avantage, en demandant des passes plus courtes avec ce dispositif, c'est que bah, les joueurs, normalement, ont toujours plusieurs solutions à leur disposition. On peut faire des triangles de jeu. Normalement, à tous les postes, il y a moyen de faire des triangles, vous le voyez ici. Et là, belle récupération de Mihailić. Mizovic, là, il peut jouer avec Janko, c'est bien. Vous voyez, à chaque fois, il a plusieurs solutions. Ça, c'est... Ah, ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais, ça. Ah, le pressing qui est pas mal, ça va peut-être forcer la perte de balle. Non, Luteran. Schrien. Moïse. Schrien qui va lancer un long ballon. Oloub, le mauvais dégagement d'Oloub. Bianco qui sera là. Ce sera repoussé seulement temporairement. Ça va revenir. Odenaerde qui s'est fait prendre. Et Luteran qui va frapper fort. Entre les jambes de Risca, j'ai l'impression. Mais non! Ah, ça commence pas bien. On va se mettre en positive. Allez! Est-ce qu'on devrait pas se mettre en positif tout le temps? Je ne sais pas. Luteran. Oh non. Oh non! Je veux pas voir ça. Ah là 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 là. La descente aux enfers. La descente aux enfers, les gars. Ah, on aura tenté quelque chose pour renverser la tendance, mais le changement tactique n'apporte pas grand-chose. Oh, la déferlante. Ah, la déferlante. Alors après, les gars, oui, notre équipe est beaucoup moins forte. Oui, sur le papier, on a des moins bons joueurs, mais... On prenait pas des volées comme ça tous les matchs, c'est pas normal, j'en ai marre, frère, vraiment j'en ai marre. Bon, le point positif, c'est que Trenzi n'a pas l'air de gagner, mais... Et c'est encore plus frustrant, parce qu'on se dit qu'en faisant des bons résultats, on serait déjà repassé devant eux. Allez, il y aura les confrontations directes face à Trenzin. Là, il n'y aura pas le choix. Ce sera victoire impérative. Et puis voilà. Hein. On va se raccrocher à ce qu'on peut. Allez, Luda, la bonne récupération. Mais non. Oh, les gars, mais mettez de l'impact! Un petit peu, là. Et les longs ballons, j'en ai marre. Les longs ballons qui sont perdus à chaque fois aussi. J'ai demandé beaucoup plus courtes les passes. Arrêtez de taper devant comme des trisos. Ah, c'est trop. Je commence à craquer. Je vais démissionner, c'est pas possible. Je peux, à un moment, tout ce que je dis, ça sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de les féliciter, tiens, tellement c'est beau. C'est quoi? Elle semblait anxieuse, mais les mecs. Allez là! Allez! Ouais, 4-0, ça semble un petit peu compromis quand même. Zupa. Zupa qui revient en retrait avec Benovic. Oui, c'est bien joué ça, Yanko. Luda, penalty! Oh, on est nul au péno. On est nul sur les pénaux.
j'ai pas vu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mizovic? Ok. Ok, c'est. Oh, ok. Magnifiquement tiré. Allez! Il faut se remettre dedans. Allez, l'offensif! Et à niveau tactique, est-ce que je pourrais pas peut-être. Soutien. Allez! Allez, Mizovic! Le retrait, ouh, c'est dommage, c'était bien vu, c'était bien tenté. Ça va revenir avec Benovic. Luda, Yanko! Denis Yanko, allez, c'est pas fini! C'est pas fini! Bien sûr! Alors peut-être! Et si on les encourageait? Riska, bien, sur le côté vers Odenaert. Le relais avec Yanko. Yanko, la perte de balle! Oh, et les défenseurs qui dorment! Laissez pas jouer là! Ouais, bien vu, vers Fer. Ouais, Fer, tu peux y aller tout seul, mon grand. Essaye pas de faire une remise. Contrôle vers l'avant, provoque. Allez, les changements. Les changements, c'est maintenant. Ah, on n'a pas énormément de solutions. Rhodes peut-être à la place de Benovic. Kouaïdic. Ouais, qui restait ça à la place de Yanko. Zupa, Berekali. Mihailik. Yursizin. Fer, Iliech. C'est parti. Il faut y aller, les gars. Et on va encourager dès qu'on le peut. Très offensive, allez. Allez, cette fin de match. Pourquoi pas essayer quelque chose. Ah, malheureusement, on s'est réveillé trop tard. Et une deuxième période bien meilleure que la première. C'est une nouvelle défaite. Une nouvelle défaite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va travailler sur le moral des joueurs. On va aller en conf de presse. Hop. Alors. Déclaration. Ouais. Au niveau du mental, on est comment? Oh là là là. Bah, on est soutenu, mais par contre, l'atmosphère est catastrophique. Hein. Allez, on a les moyens d'inverser la tendance, les gars. Il faut y aller. On va aller dans l'entraînement. On va aller dans l'individuel et là on va féliciter les rares joueurs qui s'entraînent bien. C'est bien. Allez, il faut y aller. C'est bien. Tu t'entraînes bien, mon grand. C'est bien. Chribic. Félicité. Ah, le reste, par contre, Mihailik, c'est nul. Fer, c'est flingué. Rhodes, c'est naze. Ah, mais c'est pourri, les gars! C'est quoi ces entraînements catastrophiques là? Zupa ou Loup qui restait, tout ça là. Bon. Allez, on a un match. Oh le match! Oh le match! Le match face à Trensin. Alors, tactique. On va passer en positif. J'ai envie de mettre sur Cizine, il sera de retour. Il sera de retour. Allez, on y va. On y va comme ça. Le retour de Shribik, normalement. Allez, Trensin, ils sont dans la galère aussi. Hein. Ils sont 3 points devant nous, c'est maintenant. C'est le match, les gars. C'est le match. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Et Oenir pète un plomb, hein, vous pouvez le voir. J'ai complètement craqué en conférence de presse, je suis parti en claquant la porte. On a un match peut-être le plus important de notre saison pour sauver face à Trensin. Et l'autre, il me parle de meilleur joueur, goal 50, machin. Les gars, oh, on est en division slovaque, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Donc non, je ne réponds pas à ces questions à la con. Je claque la porte, parlez-moi du foot, parlez-moi de mes joueurs, parlez-moi de notre sauvetage et de notre maintien. Pas des meilleurs joueurs du monde, machin. On n'est pas là pour ça. On en est très très loin. Malheureusement, Shribik s'est pété à l'entraînement.
Et bah, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup parce que là, il est blessé pour 6 semaines. Donc, ce sera un petit Oloub à sa place. Ce sera un Oloub et ce sera un Mailing qui va le remplacer dans la rotation. Lucas Chimku, on n'en veut pas, nous. On va mettre Mugo Veliroy sur le banc. Vrabel, il sera de retour bientôt. C'est tout. C'est tout. On va se passer, on va se mettre comme ça. Zupa, Oloub, Prekop. Janko Benovic. Après Janko, est-ce que Rhodes? Ouais, c'est pas ouf. Kerestes, hein. Kerestes, hein. Yorcizin, Luda. Mizovic, fait. Allez! Allez, faut y croire. Il faut y croire, les gars. Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Allez, les joueurs de Trensin sont favoris, tranquillement. Là, la compo, peut-être qu'elle est un petit peu mieux. On a eu le temps de s'entraîner toute la semaine. On a préparé ce match. Allez, il faut montrer maintenant. Il faut montrer des choses. Et ça commence avec une domination de Trensin. Mais on va se remettre dedans, tranquillement. Allez, domination pour l'instant de Trensin. Trensin qui nous avait proposé le poste d'entraîneur hein, il y a quelques semaines. Ouais, on n'est pas aidé par l'arbitrage en plus. Penalty. Penalty pour Trensin. Zizek qui va le transformer peut-être. Oui, à contre-pied magnifique. Et ça commence mal à l'extérieur face à Trensin. Putain, mais vas-y, même quand on arrive à être propre dans le jeu, on concède des pénaux, quoi. C'est pas normal, c'est pas normal. Et là, du coup, ça paraît complètement illusoire de croire encore à un maintien là-dessus, là. Allez, allez, il faut y aller, là. Offensif, on va tout donner. Allez, c'est maintenant, Oloub, Prekop. Prekop pour Kerestes. Kerestes, Oloub. Zupa. Zupa qui va tenter de déborder. Il est passé, Zupa. Ah, le centre est contré. Ça va repartir avec Yem. Oh, la mauvaise tête de Oloub. Oh oui, Kerestes qui a fait l'effort, heureusement. Oh, les gars, on est en danger sur des trucs ridicules. C'est horrible. Oui, Luda. Eh, toutes les passes sont ratées. On n'est vraiment pas bon pour l'instant. On n'est pas dedans du tout. Malgré des bonnes récupérations de balles, on n'en fait pas grand-chose. Ouais, c'est bien ça. Par contre, les duels de la tête, c'est gagné. Mizovic! Mizovic! Martin Mizovic, l'égalisation! Juste avant la mi-temps. Oh oui, mon grand! Oh oui! Juste après la mi-temps, pardon. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. On est là. On reprend un petit peu l'ascendant là. Audener, c'est bien joué. Yurcizine, superbe. Benovic, il va centrer. Deuxième poteau. C'est dégagé. Zupa, ça va revenir. Allez. Va centrer, mon grand. On a du monde dans la surface. Non, il va revenir en retrait sûrement avec Kerestes. Kerestes, Zupa. Zupa, le centre. Benovic! Let's go! Let's fucking go! Oh oui! Alors peut-être! Alors peut-être! Audener, le coup franc. Oh, Yurcizi. Oh, c'est beaucoup mieux ce qu'on montre aujourd'hui là. En seconde période, en tout cas. Attention, Trensin qui reprend le cours du match. 75e, il faut faire des changements. Faut faire des changements, Quentin. Audener. RZK. Benovic Rhodes. Luda. Mihailik. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, faut tenir. Faut tenir. Riska. Ça joue court sur Prekop. Tranquillement. Pas de conneries, les gars. Oloub. Kerestes. Oloub. Voilà. Zupa. Zupa. C'est mal donné. C'est mal donné. Ça va revenir. Attention à Trensin. Qui va repartir à l'attaque. Kukuka. Kukucha. Kukuka.
Le gardien de Trensin, loin devant. Pour l'instant, de la tête, on est bien. Mais voilà que je dis ça et on se fait punir. Et au moment où je le dis, c'est fou! Enlevez-moi ce micro qui est dans la pièce quelque part, là! Au moment où je dis qu'on gagne le duel de la tête, on se fait péter, c'est incroyable! Prikop, là, et Oloub, complètement en retard. Et Demitra qui ne se fait pas prier. Aïe, 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 aïe. Ouais, FR qui est pas bon aujourd'hui. Prikop, Myling. Myling, reset, quoi. Hop. Ouais, on va confirmer ça. Allez, on les encourage, c'est pas terminé, les gars. C'est pas terminé, les gars. Attention, attention, Mazalowski. Rizetka à la tête, Zupa. Ouais, c'est bien. Kerestes, oui, dans l'entrejeu, c'est bien vu. Yursizin, il va y aller. Non, la passe, Yursizin, elle est mal donnée. Allez, derrière, contre-attaque de Gaïdos. Gaïdos. Oh, il a tenté quelque chose de compliqué. 91. Allez les gars. Un score final de 2. Bon allez, je suis quand même fier de la seconde mi-temps les gars. On a gagné cette seconde mi-temps. C'est un mal pour un bien. On se fait pas prendre 2 points d'avance par Trensin, mais bon. Ça reste moyen. On va sauvegarder la partie. On se retrouve demain pour la finale. La finale de la coupe, j'espère que on aura le match de championnat quand même pour se mettre dedans. Mais j'espère qu'on va arriver à gagner cette coupe. J'espère qu'on va la gagner parce qu'on en a besoin. Allez, en tout cas, la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis bonne soirée et à demain.